Salut les amis, ben nous sommes à la Grande Motte, au Palais des Congrès. Nous sommes le 1er octobre et nous sommes ici, on vient de Toulouse. On vient ici pour participer à une formation médicale océanique dispensée par le docteur Vincent Delire. Bon, ben à de suite en salle de cours. C'est les bagues, de premier secours. Tout ça demeure. Et ça, c'est la table où il y a tous les produits. Ah oui. On va prendre la poste de Minerve. Et ça, du coup, c'est la Fédération française de voile. Mais du coup, tu fais partie de la Fédération française de voile. Et donc, ça, c'est les. Non, mais c'est que je parle pas d'information ici. Mais le FMH, c'est pour les cours du Vendée Globe. Peut-être en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On fait massage cardiaque. On s'entraîne pour le massage cardiaque. Donc, on va faire comme ça. 30 fois. 30 fois. T'as relevé? 2. T'as relevé la tête? Si ça ne marche pas, on passe à la manœuvre de Heimlich. Et là, ouais, voilà, c'est parfait. Voilà. Et du coup, j'ai utilisé tes galères. Bon. Il y a un pansement. Bon, ça, c'est l'anesthésique. Sous-cutané. Ce chiffon, après, c'est comme ça. C'est toi qui le c'est lui qui va être. Petit bague. Il y a tout dessus. Je sais la dernière chose sur toi. Non, merci, pas de graffe sur moi, non. T'es gentil, Kiki. Là, celui-là, c'est ça. Et regarde. Voilà ce qu'il y a. Directement sur la plaie. Je crois que comme pansement secondaire, quand on met par exemple sur l'hydrotape, c'est très bon. Allez, on va appliquer la graffe. Ça s'écarte et ça s'ouvre. C'est-à-dire que là, il faut chercher l'ouverture. Ça rapproche super bien. Il y a une, donc là, il y a une flèche qui permet de bien viser au niveau de la coupure. Comme ça. Et là, tu ne touches pas les compresses. Sur un seul, une seule compresse. Ça fera une belle cicatrice là. C'est ça, c'est ce que je disais, je vous donne une. Alors là, on va apprendre à injecter dans un pamplemousse un antibiotique injectable dans la fesse ou dans le bras. Il est en dessous. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Et donc là, on prévient le. On désinfecte, on tend la peau. Ça y est, c'est déjà fait. On tend la peau. Ça s'enfonce comme voilà. Du bois. Et là, tu aspires un petit peu. Donc là, on aspire. Pardon ? C'est la même résistance. Alors, c'est pas tout à fait la même résistance. Quand vous avez fini d'injecter votre produit, et que votre aiguille comme toi est vide, je vous donne ceci. C'est entre les deux. Ici, c'est, voilà, tu vas sentir que. On sent la peau, et puis à un moment, tu vas sentir que tu passes comme. On redésinfecte. La gaine du muscle, la peau névrose, tu vas sentir un. On est d'accord qu'on a déjà fait la manœuvre dans la mer. Vous allez me récupérer. Ça, c'est l'arrière du bateau. Ça a gonflé. Voilà, vous me récupérez. Ça a pas. Alors, les ceux qui n'ont pas encore joué, vous trois, vous venez me chercher. Ça va être c'est pas bien compliqué. J'ai un problème, j'ai resté scotché. On fera le débriefing après. Qui n'a pas joué?
Tout. Il y a ceux-là qui n'ont pas joué. Allez, ben je suis à bord de votre bateau et je suis à bord de votre bateau. Et alors, il faut faire un petit effort d'imagination. Je suis une jeune femme, j'ai 32 ans. Chauve. J'ai pas trouvé l'idée, j'ai trouvé, mais ça, j'ai pas encore trouvé. Je n'irai pas jusqu'à la perruque et embrasée. Voilà, et en fait, au milieu de nulle part, je suis monté en haut du mât. Je suis monté sur la drisse qui a pété. Voilà. Je suis monté en haut du mât, deux drisses. Oui, toujours. Deux drisses. Je vous le dis tout de suite parce que c'est. Vous verrez, alors je ne suis pas tombé avec une drisse. Moi non plus. Moi non plus, mais ça arrive. Hein.